Take my hand tonight. We can find some place to go. Salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes, c'est KiritokNight064, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour la suite de votre let's play sur Sonic Force, on est reparti. Dans l'épisode précédent, souvenez-vous donc, le Dr Eggman avait gagné grâce à son nouvel allié et apparemment l'aide de Chaos Metal Sonic Shadow et Zavok, j'ai un petit peu de mal avec ce dernier. Ils ont gagné, ils ont vaincu Sonic, et apparemment ce dernier était présumé mort, mais en fait non, Knuckles a appris qu'il était en vie. Et donc souvenez-vous que notre avatar Kirito, qui a tout fraîchement rejoint les rangs de la résistance, a donc réussi à voler une navette dans l'usine chimique, et donc on était parti donc pour... aller le sauver à bord du Death Egg, la forteresse volante en forme de tête d'Eggman située dans l'espace. Voilà, donc maintenant que j'ai rhabillé Kirito, notre avatar, on va sauvegarder la tenue pour être tranquille, il est temps d'aller libérer Sonic dans la prison spatiale. On est parti. Écoute la recrue. Nos autres forces sont en train de combattre l'ennemi. On dirait que t'as pris le meilleur chemin. La survie de Sonic dépend de toi. Trouve-le. T'inquiète, Knuckles. On va le trouver. Quoi de Kirito. Alors. Hop. Oh, mais j'ai de la chance. On va passer par là. Et je joue mieux que d'habitude. Ah, j'ai raté. C'est pas grave. Là on saute, il y a un truc, hop. Oh mince, j'ai gardé le respawn de flamme. Bon, c'est pas grave. Je voulais prendre celui de foudre, mais bon. C'est pas bien grave. Les prisonniers sont retenus dans une sorte de bâtiment d'internement. Sonic est sûrement là-bas aussi. C'est sous haute sécurité, alors sois sur tes gardes. C'est encore une salle vide. Mince, on n'arrive pas à se sortir d'ici. On est sous le feu ennemi. Voilà, bon, je rappelle que j'ai déjà fini le jeu deux fois, donc je connais un petit peu les niveaux. Pas par cœur, cela dit, mais je sais un petit peu à quoi m'attendre. Oh, le boulet. Parce que dans ces petits épisodes, si on se fait toucher une fois, on perd tous nos anneaux. Il semble que beaucoup de nos frères ont été enfermés. Encore une chose qu'Eggman va nous payer. Hop, hop.
Oui. Ça, ce niveau avait démarré trop bien, ça pouvait pas durer. C'est dans la poche. Allez, allons sauver Sonic. Infiltration à bord du Death Egg réussi. Allez, allez, le rang S. Ah, t'es vache. Franchement, t'es vache. Je... Bon, tant pis. Sympa les chaussures. Mais bon, c'est pas celle-là que je veux pour mon avatar. Mais j'ai déjà une petite idée. Versus Zavok. Enfin un boss. Je vais juste, bah du coup, mettre les chaussures sympas qu'on vient de nous donner. Voilà. Tout est fini, Sonic. Hé, secoue-toi un peu, t'as compris? Parce que le sol tremble. Oh, laisse tomber, t'as aucun sens de l'humour. Wow. Alors comme ça c'est la fin. Je vais te montrer ce dont je suis capable maintenant que je suis libre. Petit hérisson stupide, ce n'est pas parce que je t'ai ôté tes chaînes que tu es libre pour autant. Alors approche et viens affronter ton destin. Ah, mon destin c'est de te botter les fesses, rien d'autre. Allez, un petit boss. Alors Zavok c'est pas tellement un méchant que j'apprécie dans la saga, mais bon. Après bon, Sonic Lost World, j'étais pas trop fan non plus. Viens te battre en personne et je te passerai un savon. Misérable avorton, je vais me délecter de te regarder. Bon, ici c'est plutôt simple, faut éviter le rayon. Après il y a l'ombre de l'abeille qui va apparaître sur le terrain, il va falloir l'éviter, ne pas rester dessous. Hop, on esquive. Le boss est plutôt simple. Hop, on saute, on ressaute, homing attack, 3 fois. Là il va faire réapparaître les abeilles, on s'en débarrasse. Hop, oh non, mais non, je le sais en plus, je voulais. Là pas besoin d'attaquer, on esquive. Il recommence. Je crois que c'est après ça qu'il se fâche un peu plus. Voilà. Là il attaque en même temps, attention, je le savais en plus. Il n'y a plus besoin d'attaquer les abeilles, ils sont débarrassés à notre place. Encore un coup. Ouais, c'est pas le boss le plus dur de l'histoire. Pourtant, c'est le premier boss. Allez, c'est fini. Non ! Comment ai-je pu à nouveau perdre contre vous ? C'était super ! Apporte des beignets la prochaine fois ! Bon, on s'en est pas trop mal tiré, je serais bien curieux de savoir. Oh voilà, dans la poche. Ça fait plaisir. Terminer l'étape 5, c'est fait. On a le respawn éclair. Ah, c'est comme ça qu'on le débloque. Je vais pouvoir l'équiper à l'avatar. Ah, finir l'étape 5 en 135 secondes. La terminer avec le rang S, toujours plus de vêtements. Rien de très intéressant, cela dit.
Encore ce son étrange? Waouh, je crois que c'est pas le moment de réfléchir, je ferais mieux de mettre les voiles! Et on enchaîne, sans temps mort. Allez, niveau 6, Egg Gate. Un niveau stylé que je vous avais présenté dans le test du jeu. Allez, c'est parti. Ils ont dû découvrir mon évasion. Donc, il est l'heure de dire adieu à cet endroit. Wow, on est dans l'espace. Je suppose que c'est ce qui arrive à tout le monde qui contrarie Eggman. Pas moyen que je sois décisif. Je peux courir plus tard. L'endroit est stylé quand même, hein. C'est vachement joli. J'aime pas les espaces confinés. Eggman me le fera. On m'enferme pas comme ça. Alors ils m'ont enfermé sur le dessert. Combien de fois il faudra détruire cette boule de ferraille? Mais je vais vite me sortir de là. Attends de voir ça, Eggman. Bon, il n'y a rien de difficile. Les petites phases font penser un petit peu à une... Je vois qu'Eggman a... J'avais pas percuté encore, mais Eggman a refait son armée de robots. Ils ont le même design que dans Sonic Unleashed, mais la teinture de couleur n'est pas la même. Alors, hop. Comment je peux dire ? C'est pas comme si je pouvais nager dans le vide. Je sais, je vais prendre une navette. Ce qui m'a amené ici doit bien être... Oula, j'avais oublié ici. Hop, ça va très très vite. Faut quand même avoir des bons réflexes. Si vous connaissez pas le niveau, je pense que vous vous faites avoir ici. Le Dead Egg en face, qui est magnifique. La petite phase inspirée de Star Wars, ce qui fait plaisir. Petit clin d'œil. Ils y vont vraiment pas de main morte. Enfin, peu importe. Tant qu'ils me touchent pas, tant qu'il faut y aller. Bon, en définitive, Sonic n'a pas tellement eu besoin de nous pour se sauver, mais bon. Allez, on a terminé le niveau. C'est dans la poche. Décidément, joli. Je me surprends presque moi-même. Rien d'extraordinaire pour l'avatar, encore une fois. Finir l'étape 6 avec le rang S. Allez, c'est fait. T'inquiète, mon grand, tout va bien. Est-ce que tu es là pour me sauver? T'imagines pas à quel point ça me fait plaisir. Ça faisait un bail que j'avais pas vu de visage allié. Hé, hey, la recrue, tout va bien pour toi? Ouais, évidemment. Je comprends même pas pourquoi tu poses la question. Amy, calme-toi, Amy. Il y a une sortie dans le coin. Mais ce sera pas pour toi s'ils sont pas très courants en vitesse. T'es si mignon quand tu t'inquiètes, Knuckles. Allez, Sonic est sauvé. Retour à la base. Sonic, te savoir en vie est la plus grande nouvelle qu'on ait eue depuis des mois. Mais il y a aussi une mauvaise nouvelle. Nos renseignements indiquent qu'Eggman a une usine d'armes à Green Hill qui le fournit en munitions. Une usine? Nous ne pourrons pas anéantir la base d'Eggman à Metropolis s'il a une usine pour le ravitailler. Sans blague. Écoute, Sonic, je sais que tu viens tout juste de rentrer, mais on a besoin de toi. Tu peux t'en occuper? Il faut détruire cette usine à Green Hill. Prends la nouvelle recrue avec toi. Tu es sûr? Notre nouveau soldat tremblait comme une feuille pendant tout le temps qu'on était au Death Egg. Eh, c'est pas cool. C'est parce qu'il fait froid dans l'espace, alors qu'il fait chaud dans l'usine. Il fera chaud quand on aura tout réduit en cendres. Sonic, tu prends la tête. La recrue, prends des notes sur le terrain. Bien, chef. Ça fait 6 mois que la revanche me démange. Ça va être un bon début.
Ok, on fera tout péter dans l'usine d'armement, mais dans le prochain épisode. Voilà, Sonic the Hedgehog et Kirito the Wolf qui font équipe pour détruire l'usine d'armement du Dr. Eggman. Ça sera dans le prochain épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ben, si c'est le cas, laissez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Un commentaire, éventuellement. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'a pas déjà été fait pour ne rien rater. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne. C'était Kirito Knight 064 alias Kirito. A bientôt et portez-vous bien. Take my hand.